chez RL Sport, donc c'est l'entreprise qui fait mon kit déco. Donc c'est l'entreprise qui est basée à Brive, je vous mettrai l'adresse en description. Donc RL Sport, c'est l'entreprise qui vous fait les kits déco moto, voiture, flocage de maillots, enseigne publicitaire, enfin tout ça, tout ça. Donc là, on va aller faire mon kit déco avec Rémi et on se rejoint tout de suite. De pilotage, donc ici c'est simple, vous envoyez tous vos logos, tout ce que vous voulez pour faire votre kit déco, et après Rémi sur son logiciel va vous faire votre kit déco, vous envoie la première maquette, et une fois que c'est ok, il vous imprime tout. Et le truc un peu embêtant, c'est jouer à Tetris pour tout placer pour l'imprimer là-bas. Donc là les gars, c'est vraiment la maison mère, donc là c'est tout ce qui est imprimante. Donc là c'est là où est imprimé votre kit déco. Donc le kit déco passe d'abord une première fois, on a cette plaque qui est à 60 degrés, ça permet de dilater les pores du papier autocollant pour que l'encre rentre dans le papier, et une fois que ça sort, du coup ça, les pores se referment et l'encre tient. Là devant nous, la machine est en train de découper le kit déco. Donc il faut savoir qu'une fois que le kit déco est imprimé, il reste 24 heures pour reposer, et après il passe là-dedans, dans cette machine. Et là c'est le vinyle, c'est ce qui rend votre kit déco assez épais, parce que si on passe pas ça, votre kit déco c'est vraiment du chewing-gum. Et pour tous ceux qui pensent que les kits déco ça c'est vraiment vite fait, quand vous prenez des options chrome ou pailleté, ça ne s'imprime pas comme ça imprime un simple kit déco. Il faut que celui qui fait le kit déco, donc là Rémi, le retravaille. Et elle découpe lettre par lettre, par exemple un 7, lettre par lettre le 7, pour après ensuite le recoller par-dessus. Donc qui découvre, faut pas croire, c'est quand même du boulot. Bon les gars, maintenant, le moment qu'on attend tous, enfin moi que j'attends depuis maintenant 2 semaines, c'est d'aller voir ma moto, le kit déco est posé, elle est prête, et c'est parti.